Salam alaikum. Le deuxième jour de notre congrès de rhumatologie orale aurélienne. Aujourd'hui, on va parler sur les nouvelles traitements biologiques qui ont été mis par le ministère de la Santé. Et dans ce sens, je remercie le ministère. Au fait, le traitement biologique a donné beaucoup d'espoir pour nos malades. Actuellement, on a 4 anti-TNF qui font la part sur la pharmacie centrale des hôpitaux. Ces anti-TNF ou le traitement biologique sont utilisés surtout dans le rhumatisme inflammatoire, tel que la polyarthrite rhumatoïde, tel que la spondylarthrite ankylosante, aussi le rhumatisme psoriasique et même dans d'autres rhumatismes des entérocolopathies. Je dirais que dans 90% de nos malades sous traitement biologique ont une rémission clinique, biologique et même sur le plan échographique. Quoi encore, ces nouvelles cibles thérapeutiques donneront de l'espoir pour ces malades, puisqu'il y aura aussi des anti-JAK qui vont rentrer dans le marché algérien.